Maddy Burciaga et Benjamin Samato plus mal, le couple obligé de se rendre aux urgences pour leur bébé. Maddy Burciaga et Benjamin Samato se sont rendus aux urgences en raison de l'état de santé de leur fils, Andrea. Maddy Burciaga et Benjamin Samato, le couple star des Marseillais, coulent des jours heureux à Dubaï. En effet, ils sont récemment devenus les heureux parents d'un petit Andrea. Les tourtereaux sont d'ailleurs de retour en France pour les fêtes de fin d'année. L'occasion pour eux de présenter leur bébé à l'ensemble de leur famille qui n'a pas pu faire le voyage aux Émirats Arabes Unis. La jolie blonde n'avait qu'une hâte, faire part de sa joie d'être devenue une jeune maman pleinement épanouie. « J'ai développé un amour que je ne pensais même pas possible. Je l'aime tellement, mon, c'est ma vie. Ça demande forcément des responsabilités en plus, on est un peu plus stressé. Crochet ouvrant, crochet fermant. On est un peu plus à fleur de peau, on est un peu plus sensible, en gros on vit vraiment pour notre enfant », a-t-elle confié sur Instagram. Maddy Burciaga a fait part de son bonheur d'assister à la rencontre entre ses parents et Andrea. Elle a ainsi confié « C'est vrai que ça fait 2 mois et demi maintenant qu'Andrea est née, là on a rencontré tout le monde sauf mes parents. Crochet ouvrant, crochet fermant. On va passer les fêtes de Noël tous ensemble, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Mais là surtout je suis trop excitée de lui présenter Andrea parce que je sais qu'elle se languit, elle n'en peut plus. Là, elle a clairement envie de le prendre dans ses bras, et je pense que ça va être trop chou. » Malheureusement, ces jolis moments partagés ont rapidement été rattrapés par tout un lot de difficultés pour les jeunes parents. En effet, la petite famille est en proie à la maladie. Il a chopé un virus de M**RDE, Maddy Burciaga, au comble de l'inquiétude en cette fin d'année 2022, le clan Samat se retrouve souffrant. Dans sa story Instagram, Maddy Burciaga, épuisée, a tenu à informer ses abonnés. « Je suis malade, Benji est malade, le petit est malade. C'est l'hécatombe », a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter, « On a tous un état grippal. J'ai le nez, la tête et des courbatures. Andrea n'est pas épargnée non plus. Le petit n'a pas de symptômes, mais il a de la fièvre. Ma maman est avec et je cherche un pédiatre. Mais ça va être compliqué », a affirmé l'influenceuse. En effet, l'état de leur bébé s'est avéré plus préoccupant que prévu et a provoqué l'inquiétude des parents. Ils se sont finalement rendus aux urgences dans la nuit du 22 au 23 décembre. On a été aux urgences pour Andrea. La fièvre ne redescendait pas. Ils lui ont fait un bilan sanguin complet sanguin, le test pour la Covid, la grippe et la bronchiolite, a partagé la maman. Avant d'ajouter, rassurant, au final bilan sanguin au top, donc il a dû choper la même chose que nous, un virus de M**RDE. Elle a conclu par un message plutôt positif et encourageant. L'essentiel, c'est qu'Andrea va mieux.